Si vous deviez choisir un roman qui décrit les tourments de l'adolescence, vous choisiriez lequel? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Le roman s'ouvre ainsi. If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap. But I don't feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me. And in the second place, my parents would have about 2 hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quite touchy about anything like that, especially my father. They're nice and all. I'm not saying that. But they're also touchy as hell. Besides, I'm not going to tell you my whole goddamn autobiography or anything. I'll just tell you about this madman stuff that happened to me around last Christmas, just before I got pretty run down and had to come out here and take it easy. I mean, that's all I told DB about, and he's my brother and all. He's in Hollywood. That isn't too far from this crummy place, and he comes over and visits me practically every weekend. He's going to drive me home when I go home next month, maybe. He's just got a Jaguar, one of those little English jobs that can do around 200 miles an hour. It costs him damn near 4,000 bucks. Cet incipit, ce premier paragraphe du roman, il a en germe tout ce qui se passe dans le roman. Le narrateur, c'est Holden Caulfield. Il a 16 ans au moment de ce qu'il raconte. Il est dans une maison de repos et il raconte les événements qui se sont passés pendant quelques jours, l'année dernière, juste avant Noël. En fait, il s'est fait renvoyer une fois de plus du collège privé où il étudiait. C'est peut-être le troisième collège dont il se fait renvoyer. Il part plus tôt que les vacances de Noël. Il n'a pas envie de rentrer à la maison pour annoncer la nouvelle à ses parents et fait une espèce de fugue. Il habite Manhattan, alors il prend le train jusqu'à Manhattan, réserve un hôtel miteux. Il va au bar de l'hôtel, essaie de se faire servir de l'alcool. Il va dans un nightclub, se fait venir une prostituée dans sa chambre, mais ne peut pas la toucher. Il rencontre une amie qui essaie de convaincre de s'enfuir avec lui, de se trouver un emploi. L'amie trouve ça impossible. À un moment donné, il retourne à la maison de nuit, parler à sa petite sœur de 10 ans, qui est en fait le seul personnage avec qui il peut réellement communiquer. Quand il lui fait part de ses plans de s'enfuir, elle veut pas, mais finalement, elle dit « Je vais venir avec toi ». Et c'est ce qui fait qu'il décide de ne pas s'enfuir. On apprend au tout début qu'après cet épisode-là, il est « run down », il est envoyé dans une maison de repos. Ce passage-là est aussi très typique du ton de Holden Caulfield. On voit une très, très grande oralité dès la première phrase. « You'll want to know this and this and this and this », une énumération un peu orthodoxe. On voit tout de suite le vocabulaire « that David Copperfield kind of crap ». De ses parents, il dit « they're nice and all ». And all, ça revient souvent. God damn revient souvent. This madman stuff, damn near 4,000 bucks. Donc, c'est la langue populaire. On voit aussi là-dedans l'attitude que le narrateur a envers tout. Tout est désagréable. J'aime pas les films. J'aime pas Hollywood. Mes parents sont comme si. Ah, ils sont gentils, mais ah, ils sont délicats. Donc, tout est un peu négatif. Mais en fait, on finit par beaucoup aimer le narrateur parce que finalement, il a quand même un assez grand cœur. Il aime quand même des choses contre lesquelles il se plaignait au début. Et tout le long du roman, il se promène et il décrit ce qu'il voit, ce qu'il pense. Et on voit aussi l'espèce de coq à l'âne. Les sujets passent d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire je vous raconterai pas toute ma vie, juste ces quelques journées-là, c'est ce que j'ai raconté à mon frère. On suit le fil de ses déambulations et de ses pensées. Au moment de sa publication, le roman a fait quand même un certain scandale. Un mineur qui ne pense qu'à boire et qui boit et qui fait venir une prostituée sur le plan des mœurs, c'est pas bien vu. Ensuite, cette langue peu édifiante, une langue vulgaire, oh mon Dieu! Mais en plus, c'est que cette langue-là aussi, c'était véritablement la manière dont parlait beaucoup de monde aux États-Unis à l'époque. Donc, de voir dans un livre la langue qu'on emploie tous les jours, ben c'est pas nouveau dans l'histoire de la littérature qu'il y a eu des réactions vives. Mais le roman est quand même devenu de plus en plus populaire. C'est un des romans préférés pour les écoles secondaires aux États-Unis. Il y a un paradoxe parce que d'un côté, c'est un des romans les plus censurés et les professeurs qui se sont fait suspendre dans les années 70 pour avoir mis ça à l'étude. Mais en même temps, c'est un des romans les plus populaires auprès des jeunes. En 2004, il se vendait encore 250 000 exemplaires de The Catcher in the Rye par année. Jerome David Salinger est né en 1919 dans une famille de Manhattan. Il dit que
Il y a plusieurs éléments de sa vie qui ressemblent à son héros narrateur, Caulfield. Il a souvent changé d'école au secondaire. Il était plutôt moyen à l'école. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est fait enrôler. Il s'est battu en Europe. À son retour, il a publié plusieurs nouvelles, dont une nouvelle qu'il développera pour faire ce roman. Plus ce roman deviendra connu, plus J.D. Salinger se retirera de la vie publique. Il continue à publier des textes jusqu'en 1965, mais après ça, il cesse. Il continue d'écrire, d'après ce qu'on dit, mais ça reste pour lui. Il devient la figure de l'écrivain ermite. Toutefois, on fait des nuances. On dit qu'il entretenait quand même des relations avec d'autres écrivains et des gens du milieu littéraire, mais pas dans les restaurants branchés de New York pour qu'on le voit et qu'on le reconnaisse. La chanson « Des fleurs pour Salinger » d'Indochine fait référence justement à ce côté ermite. Il est mort en 2010 dans sa maison du New Hampshire, à 91 ans, de cause naturelle. Quand j'étais moi-même au collège, j'avais un ami qui avait adoré ce livre-là, qui disait que c'était son livre préféré. Ça m'est toujours resté en tête et le titre m'a toujours intrigué. Je me demandais ce que ça voulait dire. Il marche sur la rue et il entend un petit enfant qui chante un nursery rhyme, une espèce de comptine dans laquelle vient cette phrase. Quand il est en pleine nuit chez ses parents, qu'il discute avec sa jeune sœur, Holden lui demande « You know that song? If a body catch a body coming through the rye » et elle l'interrompt. « It's if a body meet a body coming through the rye, old Phoebe said. It's a poem by Robert Burns. » À propos de ce vers-là, voici ce qu'il dit. « I thought it was if a body catch a body, I said. Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody's around. Nobody big, I mean. Except me. And I'm standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff. I mean, if they're running and they don't look where they're going, I have to come out from somewhere and catch them. That's all I'd do all day. I'd just be the catcher in the rye and all. I know it's crazy, but that's the only thing I'd really like to be. I know it's crazy. » Donc ce passage est assez important, il donne le titre au roman. Pour essayer de comprendre le sens du titre en français, l'attrape-cœur, j'ai regardé une vidéo d'un booktuber, je vous mets le lien, qui analyse les œuvres, l'alchimie d'un livre. Le youtuber analyse ce passage en disant que, en fait, même s'il a l'apparence d'un roman d'apprentissage, The Catcher in the Rye n'en est pas un. Un roman d'apprentissage, un Bildungsroman, c'est un roman où le héros ou l'héroïne passe de l'enfance à l'âge adulte. Donc, généralement, il y a des déceptions, des pertes de l'innocence, et ainsi de suite, une série de péripéties qui font que le personnage, à la fin, est véritablement entré dans l'âge adulte. L'éducation sentimentale de Flaubert, Le Père Goriot de Balzac, et ce que ce critique faisait remarquer, c'est que Caulfield veut rester avec les enfants et non tomber en bas de la falaise dans l'âge adulte. C'est une analyse très intéressante. Dans ce contexte-là, le titre français du roman, L'attrape-cœur, s'explique par le fait qu'il est dans ce champ de seigle et qu'il attrape les cœurs ou les enfants qui sont sur le point de tomber. J'ai trouvé intéressant d'écouter cette capsule parce que j'ai aussi entendu des extraits de la traduction de ce roman. Moi, je l'ai lu en anglais. Il y avait un sentiment d'étrangeté par rapport à l'anglais de 1950. Il y a des fois des mots qui avaient un différent sens. Par exemple, quand Caulfield dit « sexy », ça n'est pas dans le sens de « quelqu'un d'autre est sexy ». Il dégage quelque chose de sexuel, mais il l'emploie comme « I was feeling sexy », donc « je me sentais sexuel ». Donc, il y a des mots qui ont changer de sens, mais c'est une langue très simple, très belle, et je pense qu'il n'y faut pas une méga maîtrise de l'anglais pour bien avoir accès à ce qui se passe là. Mais pour traduire quelque chose comme ça, il faut le traduire en langue populaire. Et les extraits qui ont été lus dans l'autre clip nous donnaient un français avec des expressions qui, moi, m'étaient doublement étrangères. Quand j'écoutais ces passages-là, je me disais « Non, c'est pas mon français à moi. » Donc, je pense pas qu'il y ait une traduction québécoise. Certainement, c'est mieux de le lire dans une traduction que ne pas le lire du tout, mais moi, je vous dirais que pour le plaisir et la beauté de la langue, ainsi que pour ce personnage d'adolescent chialeux mais attachant, ça vaut la peine de lire ce classique « The Catcher in the Rye ». Voilà, c'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture!